Bonjour, aujourd'hui donc, notre astuce sur Excel, c'est déconcatenée, mais cette fois-ci, cette formule, elle a deux caractéristiques. La première caractéristique pour déconcatenée une phrase, c'est que la formule s'éclate automatiquement, sans glisser la formule. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'on peut déconcatenée une phrase avec plusieurs séparateurs, que ce soit espace, virgule, point virgule, etc. On va donc ici, on a des exemples et ici, on a les formules. Donc, on peut avoir, donc, par exemple, ici, une phrase. Je vais prendre celle-ci, par exemple. Je vais la mettre ici. Et on veut donc ici la déconcatenée. Je vais donc ici, l'espace. Donc, je vais prendre celle-ci. Celle-ci qui correspond à espace copié. Et voilà donc, elle est déconcatenée. OK? Une chose, ce qu'on peut par exemple faire ici, point virgule ou bien virgule, comme ça, des virgules. Voilà. Donc ici, des virgules, je vais prendre donc celle des virgules qui est celle-ci. Et voilà. Pardon, faut mettre la phrase ici. Et prendre donc ces points de virgule qui est celle-ci. Voilà. On peut même remplacer ici par anti-slash par exemple. Voilà. Je vais la remplacer ici. Et ici, au lieu pour travailler ici, il faut donc substituer ici à la deux positions. Il faut changer deux positions. Substituer et ici, substituer ces deux positions. Faut juste tomber ici, si on petit slash. Voilà. Et ici, anti slash. Voilà. On peut donc modifier comme on veut. On peut faire comme ça. On peut modifier, remplacer, par exemple, ici l'anti-slash, par exemple, par un point. Voilà, je vais remplacer. Et ici, je peux glisser. Et ici, remplacer ici l'anti-slash par point. Voilà. Substituer. Voilà, ici, point, entrée. Et voilà donc, on a déconcatenné cette phrase. OK, donc voilà la formule. C'est ici. Voilà. Pour les séparateurs ici, il faut mettre juste ici les séparateurs. C'est en deux positions. Donc, l'astuce, donc, on peut déconcatenner les phrases avec n'importe quel séparateur, que ce soit espace, virgule, point virgule, etc. On peut ajouter par exemple ici espace, n'importe. Voilà, donc il glisse automatiquement. On peut faire comme ça. Ici, la même chose, on peut faire par exemple ici point virgule pour écrire point virgule, etc. Voilà, donc il glisse. Ici, la même chose, virgule. Écrire n'importe. Voilà, donc il se glisse automatiquement ici slash etc. Voilà, donc ce fichier vous allez le trouver dans la description et à la prochaine.